Allô, suivez-moi dans une journée comme une allothérapeute en thérapie respiratoire. Je commence mon quart de travail en prenant mon rapport pour la soirée. Ce soir, je suis à l'urgence, mais comme on travaille en équipe, je vais probablement aller aider mes collègues partout ailleurs dans l'hôpital. Comme une allo en thérapie respiratoire, on travaille à l'urgence, aux soins intensifs et aux étages. On participe donc aux réanimations puisqu'on assiste le médecin pour l'intubation et qu'on gère la ventilation du patient. On s'occupe aussi de tous les patients qui sont sous respirateur ou qui ont besoin d'oxygène en grande quantité avec d'autres types d'appareils comme de l'oxygène au débit ou de la VNI. On assiste aussi le médecin lorsqu'on fait une bronchoscopie, un examen qui permet d'aller voir directement dans les poumons du patient avec une petite caméra. On s'occupe aussi de réaliser des spirométries à l'urgence qui sont des tests de fonction pulmonaire pour aider le médecin dans son diagnostic ou dans sa conduite médicale. On couvre également tous les étages de l'hôpital et on évalue et donne tous les traitements de pompe et de nébulisation aux patients qui ont des problèmes pulmonaires. Évidemment, on est responsable de tous les patients qu'on voit, donc on passe aussi un peu de temps au dossier pour s'assurer que toutes nos prescriptions sont valides et qu'on connaît bien l'évolution de nos patients. Je pense que ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est qu'on travaille partout dans l'hôpital et qu'on a la chance de développer une complicité avec beaucoup de professionnels différents. Je termine ma soirée en donnant mon rapport à ma collègue de nuit. C'est tout pour aujourd'hui.